match contre Santi à l'issue de cette qualification ? Bah déjà, c'est satisfaisant pour l'équipe, pour le groupe, parce qu'ils le méritent. Ils ont fait un match sérieux et appliqué. Ça a été difficile parce qu'on est tombé sur une équipe qui nous attendait, une équipe sérieuse, même s'il y avait une différence d'écart, mais c'est la coupe. Quand on joue un match de coupe, on est déterminé des deux côtés. Ce qui fait la différence, c'est justement le sérieux jusqu'au bout. Et on a fait un match très sérieux et je suis très contente pour les joueurs parce qu'ils le méritent. C'était quand même chaud le pénalty en première mi-temps. On prend un pénalty. Après, bon, ben, si on prend un pénalty, je ne commenterai pas le fait de jeu, mais ce que je commente, c'est derrière la réaction. On a notre gardien qui nous sort le pénalty derrière. On ne s'est pas enflammé, on est resté calme et serein. C'est ce que je leur avais demandé surtout, de ne pas s'exciter, de ne pas s'enflammer, de rester serein, de poser le jeu tranquillement et d'essayer de développer notre football. En première mi-temps, on a manqué un petit peu de profondeur, notamment sur les côtés, dans la largeur. Et c'est ce que je leur ai demandé en deuxième mi-temps. Et d'ailleurs, en deuxième mi-temps, ça a fait la différence, là, l'argent. Vous êtes qualifié pour le cinquième tour, ça commence à devenir intéressant. Ça va être un vrai objectif, la Coupe de France ? Bah écoutez, la Coupe de France, c'est surtout une récompense pour les joueurs et pour le club. Donc c'est très bien pour le club, je suis très contente. Et j'espère qu'on aura l'occasion de tomber justement contre un gros. Ça ferait plaisir aux joueurs, puis ça nous ferait plaisir d'accueillir une grosse équipe. Ça, c'est sûr. Voilà.